Vous savoir maintenant, tout ce que je puis vous dire, c'est que ces hommes-là étaient drogués. Du reste, un certain nombre de personnes qui étaient avec nous sont ici parmi nous, parmi lesquelles mon très cher ami auquel j'ai fait courir un grand risque, Sim Habib Junior, Boudiba. Ils vous diront tous que leurs gestes saccadés, leurs yeux exorbités, leur sueur et leur sudation n'ont fait que nous confirmer qu'ils étaient drogués, car lorsqu'ils ont été arrêtés, nous avons trouvé sur chacun d'eux un flacon contenant des excitants. Est-ce que c'était de l'amphétamine, de la benzédrine? Je n'en sais rien, on est en train d'analyser. Je préfère ne pas... Du général Moudboué, du général Mustapha, du général Bougrine, du général Hamou, en tant qu'officiers généraux. Il s'agit principalement ensuite, et ma liste n'est pas limitative, il s'agit du colonel Ababou qui est mort, du colonel Finiri, du colonel Boubri et d'un certain nombre d'autres dont j'ai oublié le nom, mais dont la liste sera communiquée. D'y penser, mais... En tout cas, rien de ce qu'il était. Le général Driss se départage la tâche. Malheureusement, ils n'ont plus leur troisième homme, qui était le général Bachir, qui a trouvé la mort hier. Oufker se trouve à la brigade blindée avec comme mission de réduire les derniers petits nids de résistance qui se trouvent sporadiquement à Rabat et de maintenir les contacts avec toutes les autres régions militaires. Le général Driss, auprès de moi, remplit l'office de mon état-major à mes côtés. Du fait que je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier. ما زوال اليوم تنفيذ حكم الإعدام في عشرة من الضباط الذين تزعموا حركة التمرد الأخيرة. وهؤلاء الضباط هم الجنرال حمو والجنرال بوغرين والجنرال حبيبي والجنرال مصطفى والكولونيل شلواطي والكولونيل فنيري والكولونيل ببري والكولونيل عمي والكولونيل بن بصير والكوماندو المانوزي. وقد تم تنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء المتآمرين في الساعة 11:15 من صباح اليوم بإحدى المعسكرات القريبة من مدينة الرباط. وصاح المتمردون قبل إعدامهم يحيى الملك يحيى الحسن الثاني، لكن الأعمال الدنيئة التي قاموا بها لا تتوافق مع ما يقولون. وكانت سيارة الجيش قد قادت هؤلاء المتآمرين مكتوفي الأيدي وبلباسهم العسكري إلى مكان إعدامهم، وقد نزعت منهم رتبهم العسكرية قبل أن يطلق عليهم النار على يد عشر سريات تنتمي إلى القوات البرية والجوية والبحرية.